c'est gaspouille, j'arrive plus à retrouver mes trucs. LOL. Qu'est-ce que j'en ai fait? Aussi le truc. Sérieux. Allez la tablette, tu casses les couilles. Sérieux. J'ai pas demandé ça. Ça va aller, ça va aller. Ah, c'est là. Et je parie que les kikous sont repassés. Ouais. Il est repassé le petit kikou. Bon, les potos, laissez-moi 3-4 minutes et je reviens. Mais je voudrais bien voir qui c'est qui m'a écrit. Voilà que j'arrive même plus à voir si... Ah si. Farmer plus un, merci Farmer. Panda, re... c'est Nizou? C'est Pitou? Attends, c'est Nizou, Pitou... Enfin, un truc en ou quoi. Hein? Salut Manu, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Panda Gameuse, je peux te poser une question de fille? Ça fait comment d'avoir un gros bassin dans son petit truc? SNK. Bon, je vous laisse 2-3 minutes là tranquille. Bon, non, je retrouve ce que j'avais fait, c'est bien. Qu'est-ce que j'en ai fait des trucs? Pas possible, je sais pas bouffer, c'est. Foutu là. Alors qu'est-ce que j'en ai fait? Sérieux. Ah. Je vois plus personne sur mon live. Ils sont tous partis. Yes. Je sais pas, ça va aller à la tête. Elle me fait des putains de coups en douce et genre, bah, depuis que je suis avec lui, ben, j'ai des problèmes de cœur vu
Ah, mes crises de jalousie, et là hier, on s'est repris la tête parce que la meuf de sa pote l'aime. Eh ben, tu sais quoi? Zizou, là. Ah, Zizou. Eh ben, ça tiendra jamais, hein. Toi, ton mec, ça mène chez toi, mais tu lui prends déjà la tête avant même vu sa gueule, quoi. Mais enfin, bon. Ah non, hein, merde, hein. Voilà, mais c'est rigolote. Non, mais si quelqu'un peut quelqu'un peut aller je sais pas moi appeler SOS comment ça s'appelle encore ce jour-là? Allez, vous savez quand quelqu'un est possédé, on fait appel à un exorciste. Quelqu'un peut appeler SOS Exorciste, s'il vous plaît. Nous avons une jadounette. Ouais, attends, il te fait une demande en mariage, mais il va baiser ailleurs et toi tu fais ta crise de jalousie à la première salope qui passe, quoi. Oh, regarde. Et t'as vu? Eh ben ça, c'est cette future femme là. Tu sais, celle-ci dans le coin là. T'as vu, il va pouvoir s'acquitter. Ah d'accord. Elle dit oui. Donc ça fait 1 an que vous êtes mariés. Mais si vous êtes mariés, comment tu peux être marié avec quelqu'un que t'as jamais vu? Enfin, je veux dire, tu sais même pas à quoi il ressemble. S'il a une petite bite, hein, c'est peut-être en un jardin aussi, hein? Donc elle épouse, tiens, piqué piqué collégramme astramgramme, c'est toi que j'épouserai. Et pouf, elle prend le jardin et qui fait 1 m 10 les bras levés sur la pointe des pieds. Mais non, jadounette. Oui, alors tu lui poses des limites, hein. Par exemple, chérie, quand tu iras faire, quand tu t'amuseras au puits avec ma soeur, eh ben tu mets une paire de capotes, hein. Il y en a environ 2 ou 3 qui sont qui sur lui. Et genre moi, vu la distance, ben je perds confiance. Ah bah ben, je comprends. Parce que tu crois qu'il va te dire s'il se l'est fait ou pas. Ça c'est clair qu'il va pas te le dire s'il s'est fait les meufs, hein. Réfléchis un peu. Moi, ben, si le jour j'ai une copine qui habite à, je sais pas, 500 km chez moi, et j'ai un top modèle à me taper, je te jure que je vais me taper à la top modèle et ben, ma copine n'en saura rien, hein. Non. Je suis, comme dirait Drago, je suis un petit vieux chauve sans dents. Mais je suis doué au pieu, donc tu vois, ça compense. Si, t'aimes vraiment, il te le dira surtout pas, parce que comme ça t'évitera. Parce que tu vois, toi, tu seras plutôt. La meuf, tu vois, qui garde comme un roue de secours, comme ça, quand il pourra plus pécho aucune fille, bah, il aura au moins, il pourra le garder. Merci, ma petite Jade. Alors, rien que pour ça, hein, je vais faire plaisir à Jade. On va mettre un masque spécial pour Jade. Non, alors ça, il faut savoir, hein, tu peux pas être américain, perse, grec ou je sais pas quoi. Hein. Et tu sais quoi? Alors, moi je suis belgo, franco, americano, britano, italiano, ruscof, chino, enfin voilà.
Renolo, ah oui, ça fait super longtemps, 1 heure et demie. Oui, mais ça, oh là 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 là. Non, je ne me laverai pas la gueule, farmer. Non, non. Pourquoi un clown? Parce que je sais que t'aimes les clowns, ma petite Jade. Ah, quand elle veut, oui, c'est un vrai clown. Tu vois, moi j'espérais qu'elle vienne sur la tête, tout. Voilà, moi tu vois, je suis tout seul et tout, hein. Non, elle viendra uniquement si Antonella. C'est pas que c'est moi. Toi, je t'aime pas, toi. Quoi, qu'est-ce qui est sorti? Non, non, alors je te le dirai qu'une fois. Je ne viens pas foutre ta merde, sinon tu vas dégager tout de suite. C'est clair, c'est net, c'est précis. Non, 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 Nikor, t'occupe pas de lui, t'occupe pas de lui. Lui, c'est juste un fouteur de merde. C'est ce que tu dis à chaque fois, Nono. C'est la dernière fois que je te dis, la prochaine fois je te bloque. Parce qu'à chaque fois que tu viens, tu fous la merde. Et tu fous mon life en l'air, quoi. Juste parce que t'es un gogol. Voilà. Bon, ça suffit maintenant, hein, ça suffit, stop. Un privé, je suis dépassé un de mes réseaux. Alors, voilà ma petite panda. Je voulais savoir si c'était normal d'avoir mes tétons extrêmement durs ou pas. Voilà. Alors, voilà. Je te présente Nike. C'est une fille. Nike, je te présente Panda. Panda, je te présente Jade. Voilà. Trois filles. La merde, ouais. Trois filles dans une. Oh là là, c'est un chier. Bon, je vais prendre quoi comme voiture? Pff, allez, hop, c'est bon, tu m'emmerdes.
C'est bon là. Toujours des discussions de balles, c'est bon là, basta. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'à faire? C'est bien Nono, t'as mis ton truc, et eh ben attends, je vais faire encore plus simple, puisque tu mets tes petits dislikes. Hein? Eh ben je vais te bloquer, comme ça t'iras te faire foutre cette fois. T'es mal, c'est blablabla, hein? Prends bien les autres avec toi, comme ça au moins on est tranquille. T'es bien. Merci d'avoir foutu la merde, hein? Google. Ouais, c'est ça, tous ceux qui se cassent, tant mieux, tiens. De bouffon. Mais non, mais pas toi. T'es sûr que t'es pas blond, toi, Nicor? Mais que je m'appelle Jean-Kevin Ratto. Ce soir, nous allons se promener en ville. Nous allons voir comment ça se passe. Si, je suis un policier dans une voiture banalisée. Bon, t'estompe pas, dégage. Et voilà. Bon, allez-y. Oui, c'est ce de nouvelles lesbiches. Dites les filles, on peut profiter du paysage. What the fuck, comment il s'est fait pêcher le PNJ? Ah bah putain, 10 000. Yo Mathéo, bienvenue à toi mon pote, j'espère que tu vas bien. Eh bah, moi j'ai une idée. Faites-vous peur, et le premier qui tue l'autre, je le défonce. C'est équitable, non?
Voilà. Mais le terre là. Et le petit râteau, il est fatigué, lui. C'est un râteau, c'est pas les mains. Hein, d'accord? Et alors, le mec. Fait qu'il se fait ce petit râteau. Mais si, là, il bat ce petit biberon. Barry, laissez au lit alors. Bah j'ai fait le râteau, hein. C'est toi qui n'as plus l'habitude de dire râteau. Non c'est vrai, il est tard. Comment ça fait tard, je suis un peu fatigué pour faire la voix. Alors moi si je fais ce live, c'est pour que vous puissiez discuter les filles. Hein, parce que parler avec les mecs, tu vois, je parle souvent avec Farmer, Tekinas, SNKK, qui bude. Je crois que j'ai eu un léger accident. Ouais, la plupart sont des petits niveaux, quoi. Yeah, no, 201. Non mais celui-là, il fait exprès d'être de l'autre côté ou quoi, wesh? Et Jade, elle s'en bat les couilles, elle est en pleine communication avec Antoine. Il ne faut surtout pas la perturber. Jade, ici, et papa ours, veux-tu bien lui répondre, s'il te plaît? Ok. On peut pas nous avoir trouvé un terroriste. Hein. Mais qu'est-ce que t'essayes de voler ma voiture, va bouler. Ah mais qu'il est con. T'as vraiment cru que t'allais pouvoir voler ma voiture, toi, handicapé. Non mais où? Et les mecs. Chut, je ne rappelle qu'un cadavre. Merde. Oula. Bah écoute, il y a papa ours, il y a maman ours. Il y a petit garçon ours et petite fille ours. Moi je suis papa ours. Pour Dafra, maman ours.
notre Lilou fera la petite fille ours. Et toi, et Farmer fera le petit garçon ours. Si, 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 si. Et toi, SNK, tu feras... tu feras Bob l'éponge, en fait. Ah, il y a des voitures qui s'enculent, d'accord. Combien pour Andagimus, je t'ai demandé combien pour... Oh, regarde. Regarde, elle demande combien pour voir la coussardée. Ça commence, c'est parti. Salut Yanis, enfin, re plutôt. I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. C'est, pour te faire coussarder, tiens. Il faut savoir qu'elle est lesbienne. Alors, on va pouvoir prendre un blindé. Nous allons rendre une petite visite à celui qui m'a défoncé la gueule. C'est par là. Enfin, c'est vrai que c'est pas un blindé celui-là. Mais bon. On fera avec. Putain, ça m'étonne quand on ne soit pas venu. Ah. Oh zut, il est mort, le pauvre. On se casse. Lol, comment est-ce qu'il a passé aussi vite lui?
Ah, je crois qu'il a un petit problème de voiture, lui. Oui, fermeur, t'es-tu mimi? Yes! Idée, hein. Bon, client suivant, les mecs. Client suivant. Ah zut, il est mort. Je suis un chauffeur ivre. Non, 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 t'en vas pas, tu restes. Mais tu m'as toujours pas fait une branlette. Mais loulou. Lilou loulou. Voilà, voilà, elle est partie, ça m'a fait une petite sucette, quoi. Voilà, voilà, moi qui voulais une petite sucette à la Nice. Mais ouais, je suis sérieux, viens. Fais ma petite sucette, s'il te plaît. Mais farmer, Rasanka, soyez pas jaloux. Hein? Soyez pas jaloux comme ça. Elle aime bien les gros modèles. Elle aime pas les petits machins. Eh merde! Voilà l'alcoolique notoire là qui vient d'arriver. C'était quoi moi encore? Voilà, alors le mec, hein. Dites-moi sur Life, vous avez une dizaine de jeux et vous arrivez à mélanger tous vos jeux dans une mauvaise boîte en sachant que vous ne pouvez utiliser que un seul CD à la fois. Quoi? T'as mis mon fermeur, reste avec moi. Reste avec moi, s'il te plaît. Mais c'est surtout lui qui va pas très bien là. Il tire dessus. Ah ouais. Bonne soirée à toi. Et bisous, bisous. Et merci. Oui, c'est... Bonne nuit. La vraie Lulu, elle dit... D'accord, je tâcherai de pas oublier.
là, on pourrait quand même y a un petit jeu qui va dire je m'en vais contre le gris, ça t'intéresse, machin, etc. Oh, ça m'étonnera pas. Je me casse, mais non, fermeur, reste ici, petite comment, bite. Comment on fait pour acheter ça? Comment t'as fait par en plus ça? Oui, arrête de parler, tu bugs. Chut, ta gueule, tu bugs. Oh, arrête, chut. C'est quoi? Bah, moi, rien, je m'amuse à faire chier le monde. À part celui en moto, la box là. Alors, box. Ah. Ah, par contre, la 5A t'abuse un peu là. Qu'est-ce qu'il a sorti lui? Vous êtes combien dans ta 16h13? Quoi? Vous êtes combien dans votre tien? Mais qu'est-ce que j'en suis moi? Oh ben ça va. Ah, et donc en gros l'argent que j'ai gagné j'ai perdu autant quoi. Le V1 hein, tu peux te taire. Oh c'est bon alors. 10 heures du soir ça tape encore dessus. Salut Cobra. Coco Cobra. J'ai pas compris ton français. Je vais voir un sac ou faire Oh merde, je crois que c'est ça. Excuse-moi, c'est bien. Non, un sac ou faire un sac ou. Là, je te bouge. Ouais, c'est vraiment, je joue à la tête. Par contre, on n'est pas obligé de savoir que. Mais il y a tout qui lock, sérieux.
Là, je suis encore dans un chargement. Je vois le mec. Ah, il est parti aussi. Confinement, ça me fait chier, royalement ça me fait chier. C'est question de boulot, je suis au chômage technique, je me fais chier chez moi, je sais pas rester toute une journée sans bouger, ne serait-ce que sortir, m'arrêter, faire un tour, quoi, tu vois. Mais au bout de 2 ou 3 jours, je sais pas, j'ai besoin de bouger, j'ai voilà, de m'occuper, c'est pas... C'est casse-couille, quoi. Non, mais c'est bon. Eh, j'étais un peu pas de toi. C'est Tequila va dormir, il est l'heure. D'accord, donc je chope à pleine vitesse avec la vigilante sur un mec, il est toujours en vie, quoi. Oh, mais des fois c'est idiot. Tequila a quitté la partie. Ça y est, ça y est, il s'est armé. Ce mec, c'est... Tu sais pas t'empêcher de péter. C'est un sérieux problème, hein. Ah, il rigole, lui. Le mec, il pète matin, midi et soir. Alors, oh, arrête. Coucou, si je te le dis. Oui, bien sûr. Toujours en train de péter, lui. Ah oui, lui, tout le temps. Mais il est relâ, le mec. Le mec, il passe à travers ma tuture. Mais quoi, j'abuse. Ton petit paix là. Mais je sais. Oh là là. Non mais sérieux, quoi. Ah. What the fuck? Du coup, il peut arrêter. Comment un joueur peut stopper une bagnole?
Ah, ça va mieux. Bon, on va changer parce que lui, ça va pas. Ah, Farmer, c'est un Tuck Life. Plus que 22. Ouf, oui, via life. Ah. Il y a moi, toi, Senka. Ah, il y a Miss Rigolote qui m'invite sur Destiny. Même Miss Rigolote, je suis un peu live sur GTA et c'est maintenant que tu m'invites sur Destiny. Mais. Et elle se demandait si elle est bien de temps en temps cette fille. Jade, je suis sur GTA. Pourquoi m'invites-tu sur Destiny? Je suis en plein live. Surtout que dans 3 quarts d'heure, je vais faire. Le singe, ça c'est pas bouche. Tu sais, dans. Comment ça s'appelle encore ce truc là Dora. Dora l'exploratrice. Super, arrête de voler. Babouche, peux-tu me dire où se trouve la petite Jadounette? Est-elle sur life? Est-elle en train de se toucher sur son lit? Ou est-elle chez Antoine? Oui, je suis en partie, ma petite Jadounette. Alors, si tu permets quelques secondes, le temps que je me débarrasse des petits flicounets. Parce que sans ça, ça va être compliqué. Bon, ça se passe, Senka. Merci. Oh, hey, you're in trouble. Okay, I'll deal with it. Alors, on va essayer de trouver Jade Rideau. Alors, Jade Rideau. Mais pourquoi tu mets pas la partie en public? Parce que je préfère. On a eu pas de... Jette Mito, d'accord. Si ça t'intéresse d'avoir un iBot sur ton live. Que? Un iBot sur ton live. Non, j'ai déjà toi, j'ai l'autre là, l'alcoolique, c'est bon. Et en plus, hein, je ne vais même pas me casser le cul, hein, ça me lit les messages, hein, ça exclut, ça répond. Toi, et ça picole surtout. Il suffit juste de le payer en alcool, c'est bon. Bonjour la petite Jade. Bonjour. Rago. Non, Jade Rago. Ah.
Jatrico, d'accord. Comment vas-tu, Jatrico? Rigo. Voilà, voilà, voilà. T'as regardé, t'es dit, tu veux vraiment pas? Mais j'en sais rien, moi, t'as vu l'heure qu'il est, tu me demandes ça, cette heure-ci. Putain. C'est 5K, c'est pas moi. Hein. C'est déjà l'heure pour le TV d'aller faire dodo. À cette heure-ci, c'est comme pour les bébés. Au bout d'un moment. Mais putain. Bon, la planche à pain là, pourquoi toi tu viendrais pas? Planche à pain. Écoute, ballon 1 à air, vas-y. Oui, oui, bah, tout. Je sais pas, moi. J'en sais rien. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Pour une fois, hein, j'ai rien pour te contredire. Mais, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sur Destiny? T'as même pas ce que j'ai. C'est encore, oui, c'est le week-end, je pourrais pas faire ce que je dois, etc. Donc, tu retournes la semaine, ok. Tu vas m'écraser. Comme des véhicules. Ça peut rejoindre plein de gens. Les voir, attends, en file d'attente, oui. Lance King, tu rentres comment ça? Bonjour déjà. Tu rends? Rendre quoi? Ta mère? Non. Non, ça, tu vois, c'est ce genre de personnes qui ont tendance à s'amener, voir un petit peu comment tu réagis, et puis mettre leur petit dislike. Toi, c'est le cas, hein. Toi, c'est l'heure d'aller te faire ta petite branlette, hein, et puis faire dodo. Session. On dit que t'as son épée, mais là, comme par hasard, je retrouve quoi? La session. Mais je suis calme. Mais je sais pas, j'ai tendance à m'endormir, donc je sais pas, c'est combien de temps j'ai encore resté connecté, quoi. Mais il se l'est fait, bordel! Que tout le monde me pète les couilles aujourd'hui, hein, sérieux!
Allez, courage, fermeur. Ah, 10 000 ampoules ou 10 000... Oh, voilà, cette chose, j'ai reçu. Ah, j'étais là, il faut arrêter de bugger, là. De pompiers. Ah, les jambes. Ah, il faudrait qu'on m'explique comment j'ai pu tuer un mec en parachute. Qui passe au-dessus de moi, hein? C'est Rockstar. Enfin, GTA. Qui s'amuse à tuer des heures de bagnole. Ah non, c'était la mienne. Ah. Et la petite Jade, elle commence tout doucement à s'endormir. Parce qu'on entend, on l'entend pas beaucoup. Ah, tu vois, alors il est 22h24. À 23h. Ah, oui, non, d'accord, on fait quoi là, hein? Oh. Je sais pas, mais... Et à 23h30. Non. Voilà, voilà. Et alors, tu vois, le lendemain matin, tu vois la trace de son visage parce qu'elle n'a pas enlevé son maquillage. Tu vois sur l'oreiller les yeux, le visage, et puis, waouh, c'est la femme de Jésus-Christ. Elle est apparue à travers son oreiller. Là, plus tard, ça sera comme Marie, tu vois, une vierge. Elle va mettre au monde sans avoir fait crac crac boum boum. Sérieux? Tu farmeur 10 000. Farmeur qui farmeur 10 000, d'accord. Tout seul, hein, car personne m'invite. Oh, hein? Bon, d'accord. C'est pas toi qui disais comme quoi que chaque fois que tu étais avec moi, t'avais des bombes sur la gueule. Vous, t'inquiète pas, moi c'est généreux, c'est des bombes, par sa poisse. Oui, non, mais toi t'as pas encore marqué, t'as pas joué autant que. Non, en fait, j'explique. Chaque fois que je suis avec Farmer, t'as les deux abrutis, hein, qui sont. Loin de la carte, isolé de tout le monde, hein, eh bien, le bombardier, il va faire toute la carte pour venir bombarder deux pauvres types, hein, surtout en sachant que le mec, il passe au-dessus d'une dizaine de chars qui prennent un point. Non, le mec, il va tout au bout de la carte pour se prendre deux mecs. C'est War Thunder, hein, écoute. Ou alors, oui, mais il n'y a pas que ça. Alors, tu vois, hein, t'as un petit tigre, c'est l'histoire d'un petit tigre. Il s'amène, il se trimballe, hop, au plein milieu du champ de tir, hein, du terrain. Il se fait tirer par tout le monde. Bon. Et je me fais une chenille, un canon, en moins, hein. Bon, je commence à avoir des petits trous à gauche, par-ci, par-là, la transmission, le moteur qui prend feu. Je suis à deux doigts de péter la gueule à un mec qui est juste devant moi. Et qui c'est qui vient me
piquer le kill, Farmer, et un coup de bombe. Merci, Farmer. Hein? Alors qu'il avait de la place, hein, autour. Non, il fallait qu'il passe comme par hasard au-dessus. Et puis évidemment, bah moi je suis mort aussitôt après. Hein, Farmer? Vous êtes beaucoup de chiffres avec lui. Hein? Mais attends, je t'explique. Je t'explique le pire. Je vais avec Farmer à des gros tirs. Donc, avec des gros chars, etc. Ils ont un simple tir. Et tu as un. On va pas le nommer. Hein, on a une espèce de bouteille d'alcool là, qui se trimballe avec un petit char. Hein, mais comme tu dirais, une boîte à sardines, tu vois. Avec un ouvre-boîte. Et puis tu as. Je sais pas moi. Puis tu as. Donc la boîte à sardines avec l'ouvre-boîte. Et puis tu as la grosse boîte de conserve de 10 kilos. Alors, la boîte à sardines à ouvre-boîte. Eh ben, t'as beau le taper dessus avec des masses de marteaux. Donc, une masse, c'est une masse de 10 kilos sur la gueule. Il a rien, il se trimballe. Bonjour! Hein? Mais par contre, tu vois, la conserve de 10 kilos, hein, tu vas lui jeter un pauvre petit caillou dessus, eh ben, elle va exploser. Attends, ça va être celle-là. On a compris, Farmer. On va t'aider demain. Mais je sais pas quelle heure. Hein. Parce que demain matin, moi je me lève pas à 8h du matin pour être sur ma console, moi, mec. Hein. Je m'appelle pas Farmer, moi. Ah, mais celle-là, par contre, celle-là, je me prends les 4 missiles, que dalle, ça va être celle-là. Ou alors tu as aussi une bouteille d'alcool, tu vois. T'as trois perdus, t'as des putains de bombes qui s'amènent, ça défonce tout ce qui est autour. La seule chose qui tient, c'est lui. Il a juste perdu à la limite deux chenilles, mais à la limite la transmission, mais il est toujours en vie. Or qu'on est censé avoir des chars nettement plus blindés, mais non. Je me casse. C'est ça. Viens, je t'attends. Ah non, pour l'instant ça va. Mais attends, tu vas tuer l'autre. Ah mais qui google. Je me veux qu'il était parti toi. Il va se calmer, wesh. Oh, comme par hasard, il a la même couleur que ma vigilante. Oh. Qu'est-ce qu'il dit encore? T'as à peu près les mêmes peurs. Bah oui, mais c'était qui là quoi? Par exemple, ma vigilante ça marche plus, super. Ah, j'ai jamais vu de voiture marcher, hein. Encore moins courir. Ah,
Vraiment, t'as ta boîte de nous attirer les bombes, toi. Oh, tu veux parler, toi. Hein? Et toi, tu nous attires tous les chars, toi. On va en pas, et quelque part, on se ramasse le double de ce qu'on devrait ramasser en temps normal. Plus maintenant, à vous. Oui, je t'accorde. Ça a juste été multiplié par 3. Au lieu de par 2. Bon, moi, dans un petit quart d'heure, moi, je vais y aller. Parce que je commence à tout doucement à dormir, moi. Et après, ça parle de moi. Moi, je m'endors pas sur, devant une console, d'accord, en pleine partie, et faire blablabla. Bla, bla. Hein? Bon. Non, surtout que je t'arrange pas live sur, ce jour-là, et qu'Antoine était là aussi. Hein, et que madame parlait dans son sommeil, on comprenait rien à ce qu'elle disait. Je te rassure, hein, Antoine s'est endormi aussi il y a pas longtemps. Hein, c'est vrai qu'il faisait des bruits chelous, mais difficile à dire si c'était parce qu'il parlait. Il parle. Ouais, je te baby Mathis, j'espère que tu vas bien et bienvenue à toi. Salut Baby Matisse. Baby Matisse. Ça va Baby Matisse? Baby Matisse. Ça le rend dedans. Non, mais il faut lui la paix. Le pauvre, il est bloqué. Ah oui, parce que certains l'ont bloqué, donc Mais oui, il s'est pas s'empêcher, hein. Pardon. Comment encore? Et c'était qui là? Pourquoi t'as poussé Jade? Je l'ai pas poussé, hein. Moi. Mais c'est normal que quelqu'un te parle, farmer. C'est normal. C'est un esprit. Un esprit maudit. L'esprit maudit de Rémi sans famille. Non mais par contre avant de dire c'est moi qui pousse, mais c'est qui me pousse, hein. Tiens, et hop, moi je repars. Ah ouais, elle aime bien enculer par derrière. Et j'ai une plus grosse quiquette que toi. C'est quand même... Et
En parlant de moi, des jeux. Du gré, t'as fait peur. Je suis claqué. Mais t'étais sur mon chemin. Oh, t'es qui coup. Ah ouais, lui qui se... Ah ouais. Mais... Non, ça c'était... Oh le pauvre, il est dans l'eau. Attends, on va te débloquer. Bouge pas, bouge pas. Ah, on va te débloquer. Voilà. Yes, j'étais à l'eau. Montre-nous ton superbe maillot de Dora l'exploratrice. Bon, ça va, petite Jade? Ouais. Pourquoi recules-tu? T'es qui là? Il y a Jade qui m'a dit en secret. Elle aime les ados poilus avec de la bouteille. Ça va, t'as des conneries, tout ça. Bah attends, t'as un vrai petit singe. Ouais, ok, la neige c'est poilu, mais quand même. Pas loin. Pas plus. Ah non, quand même pas si fort. Mais pourquoi t'as tué ta maman là? Ah là, ta maman qui s'en court là, t'es qui là? Ah, je te jure. Salut Pro, j'espère que tu vas bien. Bah, c'est normal, mon cher Fama, que je suis pas très futé. Je suis en train de dormir là. Bon, je crois qu'il y en a qui est mort. Hein. De toute façon, dans 3-4 minutes, je coupe donc. Il va pas faire ça, il va te tuer autant. T'es sûr? Je vais m'occuper de son cas aussi. Le goûter au tank. Et bon, on va faire déguster le tank. What's up, pal? Bon, par contre, je pense que j'ai coupé le live maintenant. Je tiens plus. Bon, pour ceux qui sont sur le live, bisous bisous. Désolé de couper aussi tout, mais là j'en peux plus. J'ai les yeux qui se ferment et je commence à avoir trop difficile. J'ai les yeux qui piquent en même temps. Je commence à avoir mal de tête. Donc merci d'être venu les potos. Merci pour les likes. Et j'essaierai de faire un live
demain. Je dis bien, j'essaierai d'en faire un demain. D'ici là, bisous bisous à tous. Oui, je vais dormir, j'ai besoin. Bisous bisous pour tout le live.